Bonjour, je suis Didier Mazier et comme c'est actuellement les vacances, au moment où j'enregistre cette session, eh bien, nous sommes au mois de juillet, nous avons donc envie de nous détendre. Et sur notre page Facebook, nous nous disons « bah tiens, j'irai bien voir cette vidéo ». Alors on va cliquer sur le lien qui envoie vers la vidéo et puis lorsque l'on va arriver sur le lien où la vidéo est hébergée, et nous allons malheureusement constater que cette vidéo a été bloquée dans notre pays par l'utilisateur qui l'a mise en ligne. Alors, il y a une solution très très simple. Nous allons commencer par copier cette URL parce qu'on va en avoir besoin tout à l'heure. Et puis nous allons activer un petit plugin dans Chrome qui s'appelle Ola. Alors vous allez pouvoir trouver Ola dans le répertoire des extensions de Chrome. Nous allons choisir le pays sur lequel nous voulons intervenir. En l'occurrence, il y a de grandes chances que ce soit les États-Unis. Et puis, nous allons passer derrière un VPN, c'est-à-dire que nous allons être masqués, notre IP va être masquée et la connexion va se faire comme si nous venions des États-Unis. Donc le site sur lequel nous avons cette vidéo ne pourra pas nous bloquer, puisqu'il croira que nous venons des États-Unis. C'est tout bête, c'est tout simple, et vous voyez, nous allons pouvoir maintenant visionner cette vidéo sans aucun problème. Elle charge. Oh my God. What? There he is. Et nous pouvons visionner cette vidéo. Et puis, pendant que je suis lancé, bien, nous allons regarder une autre possibilité qui n'est pas inintéressante. Par exemple, le nouvel album de Jenny Lewis, excellente chanteuse du groupe Rilo Kiley, et ancienne actrice, etc., donc, qui est très intéressante, met en ligne quelques vidéos pour présenter son dernier album. Eh bien, nous souhaiterions pouvoir écouter cette musique sur notre baladeur. iPhone, smartphone, etc. Alors, eh bien, nous allons de la même manière copier l'URL de cette vidéo. Vous voyez qu'en faisant partager ici, on aura l'URL de la vidéo et on va la copier. Et puis, nous allons nous intéresser à un site internet qui s'appelle YouTube MP3. Et nous allons ici coller l'URL de notre vidéo et nous allons convertir cette vidéo. Et vous voyez que la vidéo est convertie en MP3, il n'y a plus qu'à la télécharger. Et puis vous voyez que votre téléchargement commence et ensuite bah, vous pourrez utiliser ce MP3 et écouter la musique de cette vidéo. Voilà, j'espère que tout cela vous a intéressé et puis vous souhaite de bonnes vacances à tous. À bientôt, au revoir.